Hey there, Rachel Helps here. So if you follow me on Instagram, you might have noticed that I love food and I love to cook. So after many years of living here in France, one of the problems that I have with cooking is making bread. I've never been actually able to create the perfect bread. I had a bread machine before. That didn't work out, and I also tried to make it by hand. So lucky me, I have a retired French chef in my family, actually on HB's side. So a couple weekends ago, HB, myself, Baby Moon, and Luna, we headed down to La Roche-Orion, and while I was there, I asked my father-in-law if he could show me how to make bread. So in this video, you will learn how to make gluten-free bread. Also, there's some new vocabulary. So this is really a great video for self-learners in French. You can learn some new vocabulary, and at the same time, you can learn how to make bread. So. Je peux faire, mais il faut que je fasse sur une planche quand même. Oh, ou, parce que ça, ouais. C'est le marbre, non? Ben, ça, c'est pas un marbre, c'est un. Oui, c'est ce qu'on appelle un marbre en cuisine. Mm-hmm. En fait, c'est de la. C'est de la quoi? C'est de... Comme les tombes, là. D'accord. C'est un plan de travail en marbre. Non, plan de travail en marbre. C'est une pierre naturelle. Hein? Oui, mais c'est du granit. Un granit, ah, ok, d'accord. C'est du granit, mais on dit du marbre. On dit un marbre parce que c'est bien. D'accord. C'est, en fait, c'est du granit. D'accord. Ok. Donc, je vais apprendre à faire du pain sans gluten. Bon, je prends ça. C'est ton papy qui va nous apprendre à faire du pain sans gluten. Hein? Ah, et donc, c'est quoi ça? Comme ça, j'avais ça quand j'étais au travail. Ah, ok. C'est pour manger? Non, c'est pour. Tu vois? Ah, ok. Là, tu prends ton rôle, Jupiter. Ah, ok, pour mélanger. Ah, pour faire ton ciment. Quoi. Ah, ok, d'accord. Puis après, je peux apprendre à faire de pain sans gluten à la maison, grâce à papy. Alors après, on va voir comment il est, on va laisser lever. D'accord. Et on va voir s'il faut que tu le moules. Ok. Ou pas mouler. D'accord, ok. Tu vas pas regarder le pain sans gluten. Ah, ils n'ont pas mis en deux sachets. Ah, ça vient avec le lever. On va pouvoir faire un demi. Ah, ok, super. Et là, on va peser. Ok. Je vais peser, je vais mettre que la moitié. Ok. Luna est là pour aider aussi. Ah, 500. On va mettre 500 grammes. Ok. Hi, little boy, hein? You tired? I'm gonna take a nap. You tired? Allez, un coup. On met la tare. Ok. Et on met 500. 500, ok. La moitié. J'ai besoin d'un truc électrique comme ça. Un pèse électrique. Ah oui, c'est pratique. Hein, ouais. Ok. Ah oui, c'est. Donc 500 grammes. Merci. Je vais mettre. Je vais le faire par directement sur le nombre. Hein. D'accord. Laquelle c'est la recette là, que tu as derrière hein? C'est pas le pain de mie, ça. C'est pas du pain de mie que tu as acheté. Si? Ah oui, je pense, mix pan. C'est du pain de mie? Je pense, oui. Non, oui. Il y a plusieurs choses, tu vois. Ah oui, c'est pain de mie, c'est marqué. C'est pain de mie? Oui, c'est pain de mie, oui. Alors, préparation. Dans un récipient, bon, moi je vais le faire directement, mélanger avec la levure chimique et ajouter l'eau. Alors l'eau, 15 g de levure fraîche, 50 ml d'eau tiède, 2 cuillerées à café d'huile. Ouais, une cuillère à café de sel, 2 cuillerées à café d'huile. On a de l'huile d'olive. Ok. Donc, de l'huile d'olive, puis on va utiliser un sachet. Ça, déjà, on va mettre. Pour garder avec le. Ok.
Donc c'est bien, donc on peut faire deux pains avec ça. Ouais, c'est super facile, tu as tes proportions ici, là. Hein. D'accord. L'important, c'est l'eau. Et ça, mais toujours un peu moins d'eau, qu'ils disent. Ah ouais? Il faut avoir en rajouté. Oui. Et puis. Ok, donc moi, l'eau, que je dis. Je le travaille. Moi, je le travaille directement. Ok. Et là, on dit de mélanger la gluten. Donc, de la version gluten. Ah, donc il faut mettre au milieu comme ça? Bon, c'est pour le mélanger. Hein. Ah, ok. C'est, là, c'est pour le... Ah oui, c'est de la petite levure, ok. Ok. D'accord. Donc, alors, c'est toujours de l'eau tiède. Hein. Toujours de l'eau tiède, ok. Ouais. Toujours de l'eau tiède. You can have some gluten-free bread, little man. Oui, parce que ça active la... Ça active la levure. Ok. Tu vois, j'en ai pas assez. Je vais partir avec 450, j'en rajouterai s'il faut. Ok, 450. Toujours d'eau, parce que quand tu as trop d'eau, tu ne peux pas la retirer. D'accord, donc il y a toujours moins. Je vais toujours un peu moins. Ok. Et on va travailler avec ça. Ok. Donc là, on mélange bien. Ok. On va mettre également tout de suite l'huile. Ok. L'huile d'olive, alors c'est 2 cuillerées à café. De toute façon, on va le mélanger quand on va le travailler après. Hein. Ok. Mais si ça peut être déjà mélangé un peu, c'est bien. Ok. Alors après, bah, tu vois, tu peux le faire. Je ne sais pas dans quoi tu feras. Toi. Bah, en fait, j'ai un truc, un tapis. J'avais acheté des Lidl de tapis. D'accord, pour le pâtisserie. Mmh. J'ai ça. Ouais, bah, donc ça, je peux faire le travail sur ça. Ok. Mais une fois, j'avais essayé de faire et j'avais un problème parce que le pâte, ça collait à ce tapis. Ben, je sais, parce que tu n'avais pas les bonnes proportions en eau. Hein. Ah, ok, donc c'est le problème avec les proportions en eau. Trop d'eau, ok. Okay. Et en fait, l'huile, ça fait quoi, en fait? Ça fait la matière grasse. Matière grasse. C'est un lard, hein. OK. Ça va lier, hein. OK. Donc, il nous faut, donc, la levure, c'est mis, l'eau, elle est prête, 2 cuillères à café d'huile et 1 cuillère à café de sel. D'accord. Donc, 1 cuillère à café... Ah, elle est fermée, non? Non. Ah, le petit bonhomme vient me donner un coup. Look, Jovia, it's the first time you've seen bread made by your grandpapa. Tata, le bread. 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 C'est du pain. Bread. Donc là, l'huile va se mélanger. De sel, faut en mélanger. Non, faut toujours éviter que le sel ait un contact avec ta levure. Ça neutralise la levure. Ah, c'est vrai? Tu fais toucher le sel. Tu mets ta levure et tu mets ton sel dessus, c'est pas bon. Toi, j'ai mis la levure, j'ai mélangé et j'ai mis le sel après. Faut pas que le sel ait contact avec ta levure. Ah, ok. Ça neutralise la levure. Donc, comment on fait? Il faut mélanger la levure d'abord et puis après le sel? Oui, oui. Ok. Tu mets ton sel. Ok. Donc là, on va attaquer l'eau. Ok. On va doucement. Ok. Et après, on va travailler à la main. Ok. On va pétrir la pâte. Ok. Et on va la fraiser. Fraiser, ok. Fraiser. C'est comme la presque la pâte à pizza. Hein. Ok. Donc, c'est la même technique de pâte à pizza, c'est juste que. Okay. C'est la pâte à pizza, c'est une pâte à part. Hein. Ok. Ouais, je vais apprendre des choses aujourd'hui. Là, tu l'as fait cuire dans quoi après? Ben, je ne savais pas comment va être la pâte, mais j'avais envie peut-être de le mouler, tu vois. Comme c'est un pain de mie. D'accord. De le faire cuire dans le plat rectangulaire là-haut. Le plat en verre, là, que c'est comme un pain de mie, il faut qu'il soit moulé. Ok, d'accord. Alors qu'un pain, autrement, il n'est pas... Il n'est pas comme ça. Il va partir...
Mais c'est la même technique si je voulais utiliser la farine de pain normal. Si je... Ah oui. Okay. Ah, ça boit bien. Hein? Ok. Ça devient plus dur de mélanger, non? Non. Mais... Ah, ça vient bien gommeuse. Ah ben, ça commence à... Oui. Parfois. Toujours oublier cette bouchon. C'est bien. C'est aussi bien d'en avoir deux parce que ça te permet de... Ah, ok. De nettoyer. Et donc, ces trucs que tu mélanges avec, c'est toi qui l'as fait ou ça s'achète? Ça, c'est... là? Oui. Oh, bah, moi, je l'ai eu en cuisine, quand je travaillais en cuisine. Ah, ok. C'est les fournisseurs qui offraient ça en pub, même, tu vois, ça, c'est de la pub. Ah, ok. Mais il y a un nom, ça porte un nom, ça en trouve, hein, dans, ah, okay. dans les magasins. Je l'ai vu des fois, des petites raquettes de plastique, tu vois. Oui. Alors là, on peut travailler à la main, mais là, on peut commencer là. Ok. Moi, je vais travailler à la main, s'il faut. Ok. Surtout tu bouges pas. Le problème c'est quand tu le travailles à la main, c'est quand tu veux reverser ou que quelqu'un t'aide, parce que tu vois, je vais foutre plein de farine. Oui, dedans, ouais. Mais ouais. C'est pas grave, ouais. Ouais. Ok. Donc en fait, il faut reverser. C'est bien ça, parce que ça te décolle bien, tu vois. Oui, sur le côté, oui. Ok. Ouais. Après, il okay. faut beaucoup la travailler, tu vois. Ok. Donc il faut ajouter et puis mélanger ah. tout doucement. Ouais, tu vois, je suis pas sûr que je vais mettre le reste d'eau, alors, tu vois. D'accord. Mais c'est ça que moi, j'ai un problème avec, c'est de quand le savoir, il faut arrêter d'ajouter de l'eau, en fait, la texture. Mmh. Il faut que, faut pas qu'elle soit collante. Faut plus qu'elle soit collante, tu vois, ta pâte. OK. Faut plus qu'elle colle au doigt. Ah, OK. Comme une pâte à tarte, hein. OK. T'as fait de la tarte, des fois, t'as jamais fait de pâte à tarte? Non, je n'ai jamais fait pâte à tarte. Hein. D'accord. Ok. Ah oui, je vois pourquoi. Non, heureusement que j'ai pas suivi leurs conseils. Hein. Ok. Parce que là, déjà, tu vois, j'ai tant cassé d'eau. Hein. Ouais. Tu vois, elle est collante. Normalement, quand c'est comme ça, le seul truc pour. Tu vois, j'ai mis trop d'eau, là, tu vois. Ok. Et encore, j'étais en dessous de ce qui. Tiens, tu peux m'enlever le morceau de pâte qui est tombé. D'accord. Il y a trop d'eau. Là, il faudrait rajouter un peu de farine. Ah, ok. Ouais. C'est, en fait, c'est ça qui m'est arrivé. Chaque fois, j'étais comme ça avec des doigts et ça. Donc, en fait, c'est lavé. Excusez-moi. Donc là, tu vois, et là, il va falloir qu'on prenne un tout petit peu de farine. La prochaine fois, tu en auras un peu moins. Ouais. Donc, on va être obligé de reprendre de la farine là-bas. D'accord, ok. Tiens, tu peux m'ouvrir le paquet. Là. Tu peux. Et puis m'en mettre là, sur le. Ok, donc, comme elle a cette texture, c'est trop, en fait. Oui, tu vois, quand ça colle. Ah. Faut que ça se déclenche. Là, là. Je vais la prendre au fur et à mesure. Vas-y. Je mesure quand même, hein, parce que. Plus. Bon, on en a déjà. Alors, tu vois, tu lui fais prendre comme ça, là. D'accord. Hein, ok. Tu commences à faire ta boule, tu vois, déjà. Ça hein. commence à décoller, ok. Voilà. Tu sais que t'as fait de chaud au fond, là. Oui. De la levure, c'est bon. La levure. Oui. Là, okay. Il commence à se décoller de mes doigts, hein, parce que j'ai mis de la farine. Hein. Ok. Mais je vais reprendre. Ça va. Ok. Ok, donc je vois mieux le... Ok, d'accord. Voilà, donc c'est l'histoire de l'eau, en fait. Non, c'est l'eau, c'est l'humidité. Humidité, ok. Non, ça dépend... T'as plein de facteurs, ça dépend du temps, comment... Ah oui, même le temps de l'extérieur. Oui, le temps pour... pour la... Comment dire, la levure. Ok. La levure ne travaille pas pareil si c'est chaud, si c'est froid, si c'est humide. Ah, ok. Donc, c'est quand est-ce que le meilleur moment de faire des pains, c'est le matin ou le soir? Non, non. Quand tu veux, tu vois. Okay. Là, je commence à la malaxer. Ok. Ok.
On a presque mis trop. Hein. Il y en aura un peu de. Mais c'est pas grave. Il est mieux quand même. Ai, tu vois, ça a bien vu tout de suite. Hein. D'accord. Mais tu vois, elle va peut-être le prendre d'ailleurs. Quand je vais là. Alors, okay. C'est là, il faut travailler méchant. Hein. Là, il faut travailler 10 minutes. Hein, tu vois, ah oui, 10 minutes, carrément. Ah, ouais, alors, plus que. Ben, tu sais, dans un pétrin, je ne sais pas si tu as vu le pétrin. Ah oui, le, ça, la machine. Tourne, hein. Ok, oui. Tu vois, c'est. La machine, ça tourne, oui. D'où l'importance d'avoir une machine pour caraméliser. Bon, c'est un pain à la main est meilleur qu'un pain à la machine. Ah oui? Ah oui. Ok. On casse moins les molécules. Hein. Ok. Tu vois, on travaille. Hein. Alors là, faut pas avoir peur, quoi. Faut, tu vois, tu. Ok. Là, tu prends tes pouces, puis après, je vais finir par le fraiser. Ok. Alors, fraiser, c'est ça, tu fais ton boudin, tu t'appuies avec tes deux comme ça là. Oui. Un maximum, tu vois. Ok, et ça s'appelle fraiser. Ça, c'est fraiser, ça. C'est... Fraiser. Ok. Tu peux en manger, hein, il n'y a pas de problème. Oui. Là, tu vois, il a mangé toute la farine que j'avais prise. Hein. Ok. Bah ben oui, hein. Et là, il ne fait plus, tu vois. Oui, ça décolle et. Ok. Mais oui, ça sent plus. Il est un peu avant en humidité. C'est pas pour autant que. Ok. Ça va t'en donner, hein. Tu sais. Elle a eu droit un petit peu tout à l'heure à ce qu'elle a. Oui, c'est Luna. Luna. C'est mamie, c'est pas Luna. Tu regardes aussi, hein? Baby Moon. Ah oui, donc c'est une belle forme. Ah ok, et donc ça c'est aussi fraisé comme fabriqué. Ah non, ça c'est à taper là. Et pourquoi il faut taper? Ben, pour que ça se mélange bien. Mais... Ok. Ah, je veux dire, il n'aime pas quand tu tapes. On va pas buver du pain, c'est noble, c'est joli. Oui. Le pain. Mmh, il a une belle forme. Ah oui. Il doit être doux au toucher. Oui. Comme du velours. Ok. Ah, doux au toucher et comme le velours. Ok. Ah non, non. Ok. Il faut que je me rappelle ça. Doux au toucher. Tu vois, il faut la mettre. Tu... J'avais mis 450 et tu vois, il reste. Il reste, tu vois, il faut mettre presque 400, il dit 500. Ouais. Ah, ok, 400 au lieu de 500. Donc il faut méfier. Encore, même les moins, dosages. Parce que tu as vu, j'avais mis, j'ai été obligé de reprendre de la farine. D'accord. Là, elle commence à être belle. D'accord. Donc il faut se méfier des. Mais pourquoi elle fait ça avec. Ils ne mettent pas les bons dosages, en fait. Je ne sais pas. Mm. Souvent, c'est comme ça. Donc. Tu veux mes filles de leur dosage. Ok. Alors maintenant tu fraises. Ok. Ah, excellent. Hein? Après on va la bouler. Ok. Donc on a pétri. Après on fraise. Tu vois, elle est juste parce que tu vois, elle devrait pas me coller. Ou... Oh, marre. On va pas quand même rajouter une. Puis c'est, ce qui est bien, c'est noir quoi. Ouais. Ça commence à être belle, hein? Oui. Tu reprends aussi Luna. Ah oui, oui, elle est vraiment. Commence à avoir une belle forme. Et oui, c'est, ah, tes mains sont beaucoup plus propres. Fraises. Ok. On oui. Donc, le chapeau est légèrement collant, tu vois encore. Ouais. Ah, il est légèrement collant, même. Il faut encore. Un tout petit peu, je mets juste un fond, tu vois. Ok. Pour la laisser. Ok. Tu fais cuire juste après Non, parce que je fais une pâte levée. Ah oui. Ah, ok, donc c'est une pâte, donc il faut que ça. Ça lève. Ça lève, ok. C'est ce qu'on appelle une pâte levée. Une pâte levée, ok. Elle est belle. Oui, génial. Donc, c'est la première fois que tu fais un pain sans gluten? Oui, sans gluten. Oui, parce que c'est pas le même travail, tout à fait. Ouais, ouais. C'est au départ. La farine absorbe différemment l'eau. Ah, ok. Voilà, donc, c'est pas tout à fait le même travail. Oui, mais... ok.
Ah, tu peux vraiment la, ça te colle pas, tu peux vraiment la fraiser. Ok. Et t'appuies, hein, t'es pas peur d'appuyer, hein. Ok. Tout ton poids, hein, ça va. Ok. Ça mélange bien les, toutes les molécules. Ok. Et là, bon, on la boulera après, mais là, on va la laisser. Tu vois, elle est belle, quoi, hein. Tu peux toucher, hein. Tiens, hop. Ouais, elle n'est pas encore... Ah oui, elle est lisse, oui, ok. Ah oui, c'est pas encore du velours. Okay. La pizza, ça doit être pire, c'est pire que ça, la pizza, ah faut oui? la travailler méchamment. Ah oui. On est pendant 10 minutes comme ça. Ah oui. Travailler une pizza, oui, une pizza, c'est... On est comme ça, la pizza, et on a 1 kilo de farine dans les mains, c'est double de ça. Ok. C'est pour ça que je voyais dans les endroits de pizza, ils frappent non-stop, ok, je comprends mieux. Ah oui, ben, ceux qui vraiment la font leur pizza à la main. Ok. Excellent. On dit méchant. Faut être méchant avec la pâte. Méchant, ok. Mm. Mais oui, c'est, ça commence à être de plus en plus belle, la surface, mm, allez, la texture et tout. Donc. Non, elle est pas mal. Après, ah, elle est belle, hein? Il faut la façonner déjà. Parce que comme ça, elle aura sa forme. Donc, on fait façonner, c'est la prochaine étape, ok? Mm. Ah oui, elle est vraiment belle, la forme, hein? Et il n'y a pas de boule dedans, c'est ça aussi, j'avais des problèmes. Des fois, j'avais des boules. De oui, l'air, oui. Ok. Après, tu as l'habitude. Ok. Ça, on va la laisser lever dedans. Ok. Ça, je suis un peu plat. Bon, ouais, bon. Ça va passer. Et là, okay. On va laisser monter. Et on laisse combien d'heures pour monter? Oh, ben là, l'idéal, c'est de le mettre à côté d'un radiateur. À côté d'un radiateur, ok. Un point chaud, pour la chaleur. Un point chaud, ok. C'est ce que je fais. Ok. Et puis, ou si tu as du temps, tu la laisses, puis ça sera plus long, mais... Elle pourrait être posée au-dessus, là, parce que le radiateur derrière. Donc, en fait, le radiateur, c'est un astuce pour que ça aille plus vite. Tu as tout filmé, comme ça, tu vas te... Oui, oui, pour que je regarde. Donc, le mettre près de le radiateur, c'est un astuce. Tu n'es pas obligé de regarder ton père, mais tu prends rien de la pâte, quoi. Hein? Ok. Quoi? Tu n'es pas obligé de regarder le beau-père, mais tu peux regarder la pâte. Oui. Et hey, on est en train de faire du pain sans gluten. Propre, quelque chose de propre. Un chiffon propre dessus, voilà, ok. Pour éviter que la poussière aille dessus, tout simplement. Ok. Soit... Ah, il est trop mignon! Non! Hein? Voilà. Non. Comme ça, tu es enlevé d'un côté une source de chaleur. Ok. Attends, j'ai... Et puis, comment est-ce que tu sais quand c'est prêt, on fait après la côté? Bien levé. Ah, ok. Ok. Donc, on va laisser là à côté du radiateur. Ouais, tranquille. Okay. Voilà. Ok, super. Et donc, si je n'ai pas un radiateur dans la cuisine, je donne combien de temps? Il faut juste le temps que ça le soit. La température ambiante, elle va lever pareil. Hein? Ok. Ce sera plus long. Là, ça active un peu. Ok. D'accord. Super. Excellent. Bon, on va voir ça en quelques heures. Et puis après la cuisson, ben, je ne sais pas, ils mettent le temps de cuisson là. Puis lisser la surface. Recouvrez le moule avec un œuf humide. Puis monter la pâte dans un endroit chaud jusqu'à la masse et doubler de volume. Placer sur le fond un récipient réfractaire contenant de l'eau. Préchauffer le four à 200 degrés. Alors, 50 minutes. Ok. Sortez le pain du four, démoulez, faites refroidir sur le grill. 50 minutes de l'heure. Okay. Ah, waouh! Ok. Tu vois, déjà, elle va prendre tout le plat, elle va déborder. Ok, et puis après, on peut mettre dans le four, comme ça, ça monte bien. Bon, comme on a dit, 50 minutes, hein? Bon. 50 minutes, oui. Ah, c'est bien 200 ça. 100 degrés. Ah, c'est bien. Ça va plus vite. Oui, c'est bien, hein? Ça pousse. Elle était à la moitié du plat. Ah oui, elle était à la moitié. Et donc, grâce à ça. Donc, elle n'était pas très longtemps, là. Genre une heure peut-être. Je vais jouer dehors.
Donc c'est vraiment bien, hein? Ah oui, c'est vraiment bien. Il va être beau ton pain. Oui, hein? Donc du coup, on peut manger ça. Donc tu goûteras pour voir les différences entre le pain sans gluten, s'il y a une grosse différence. Tu vois? Regarde. Donc maintenant, je connais la recette. Et on va faire du pain à la maison. Donc la fin des cuissons, c'était 50 minutes on avait fait. 50. Ouh, elle a l'air belle. Non, hein. Non, hein, il est pas trop bon, hein, donc c'est un pain de mie. Pas trop doré, hein. Non. C'est parce qu'on n'a pas mis de l'eau dessus. Ouais. Ou est-ce que des fois aussi on peut mettre du beurre, si je mets du beurre au-dessus? Non, tu peux mettre si tu veux doré. Oui. C'est un jaune d'œuf. Jaune d'œuf, oui. Jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. OK. Tu délègues un jaune d'œuf avec une goutte d'eau, hein, pas beaucoup d'eau. Oui. Tu mets ça avec un pinceau dessus. Oui. Ou un pinceau ou ce que tu as. Hein. OK. OK, d'accord. Là, il n'est pas trop coloré. On fait, on laisse. Je pense que c'est bon, hein. Elle est cuite, hein, ouais. C'est pas la peine. Ouais. Pas ouais. Ah oui, non, c'est d'autres endroits que tu avais bien. Ah, super. Pan fait maison et prochaine fois, on peut faire des touches avec de l'eau, comme tu avais dit. Ouais. Non, il faut juste mettre de l'eau sur les doigts et faire genre. Ça va faire de vrai. Ouais. Il a l'air bon, hein. Ah oui, il est dur. Ça, ah ben, ouais. Ça fait. C'est pour ça qu'il est cuit, hein. Donc, OK. Après, il va être trop sec. Ouais. Ah, superbe. Bon, on laisse refroidir. Ouais. Là, non, non. Bon, c'est un peu plus foncé, mais ah, eux, ils mettent du jaune d'œuf. Et... Ah, OK, d'accord. Mmh. OK. Ah, super. Thanks for watching my video. If you liked my video, please give me a thumbs up. And if you want to see more videos from me, please subscribe to my channel. The button is right here, right next to me. Also, here is my last video that I put online. And be sure to check out my blog, which is rachelhelps.com. And also another way, if you want to stay in contact with me to get a little bit more personal, please do subscribe to my newsletter. Okay? Talk to you later. Bye-bye.